Le prophète Grasso a initié deux projets pour les jeunes de Zaroko, à savoir la plantation de gingembre et l'école d'élevage afin d'inciter ces jeunes à l'entrepreneuriat. Nous sommes présentement sur le site du projet pilote du gingembre du prophète Joël Grasso. Et il a initié ce projet pour la jeunesse des Zaroko. Très bientôt, nous allons entamer les trois autres états qui restent. Voilà, nous sommes présentement sur un état et par la grâce de Dieu et par l'aide du prophète, tout se passe bien. Donc je profite pour remercier le prophète pour le geste vis-à-vis de la jeunesse, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse des Zaroko. En plus de la prière et en plus de la guérison, en plus de délivrer des sorciers dans le village, il a préféré aider aussi la jeunesse. Et présentement, comme vous le voyez très bien, nous sommes sur le site. Voilà, donc je remercie le prophète. Le prophète Joël Grasso, un homme de Dieu qui a vraiment un grand cœur, qui grâce à lui, ce projet du Gemgem, qui est un projet pilote à l'endroit de cette jeunesse des Zaroko, qui tant entendu attendait véritablement le soutien de ces personnes pour sortir de l'état de cette pauvreté. Et grâce au prophète Joël Grasso, aujourd'hui, cette jeunesse bénéficie de son aide. Pour dire, nous lançons un appel à toutes ces personnes et surtout à nos cadres de suivre la voie du prophète Joël Grasso. Et nous le remercions, nous donnons véritablement, nous demandons à ce que Dieu lui donne longue vie pour tous ses bienfaits et pour tout ça, c'est son apport à l'endroit de cette jeunesse du Zaroko. Nous sommes précisément à Zaroko, sur les champs de Gemzo du prophète Joël Grasso. Aujourd'hui, c'est une journée de travail pour venir, en tout cas, déterrer le Gemzo. Donc, le prophète m'a envoyé d'urgence pour venir voir sur les lieux. Donc, voici pour ça que nous sommes là. C'est pourquoi ce matin, je me suis fait tous les déplacements, moi, sur le pasteur Serge. Je suis avec le président des jeunes des Zaroko, qui est Dago Martial, celui-là même à qui ils ont confié le travail. Donc nous sommes sur le terrain en train de travailler. Je nous fais soin de déterrer le Gemgem. Donc c'est le président des jeunes des Zaroko. Effectivement, je suis le président des jeunes des Zaroko. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, on a commencé le projet, c'était le projet pilote avec le prophète Joël Grasso. Nous avons fait aujourd'hui, c'est la phase de la récolte. Donc, comme vous le voyez bien en image, nous avons commencé la récolte. Vous voyez pratiquement tout le monde. Vous pouvez filmer, voir les gens qui sont allés travailler. Voilà. Donc, je profite pour lancer un appel, dire merci au prophète Joël Grasso pour le projet. Voilà, nous tenons à lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse de Zaroko. Voilà. Donc, voilà un peu tout ce qui se passe sur le terrain. Voilà, actuellement j'ai en main le gingembre. Voilà. On va commencer à déterrer tout. Voilà quelques images. Voilà. Par la grâce de Dieu, ça a donné. Voilà, donc nous sommes sur le terrain. Ok, donc ça a été un projet que le prophète a lancé pour la jeunesse de Zaroko avec le président des jeunes. Donc, comme vous le voyez, nous sommes sur le terrain, sur les lieux. C'est la date de la récolte aujourd'hui. C'est le premier jour. Sinon, ce n'est pas parce que ça va finir, mais c'est le tout premier jour. Donc, il est venu avec les bien-aimés, les mamans, quelques frères qui sont venus lui donner un coup de main. C'est ainsi que tout à l'heure, ils vont passer pour filmer tout le monde. Chacun va se présenter. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur, le prophète Joël Grasso, pour ce qu'il fait encore pour la jeunesse des Zaroko. Qu'il continue de le faire parce que c'est un homme de bon cœur. Nous sommes venus aujourd'hui le premier jour. Aujourd'hui est un lundi, premier jour. La récolte, la phase de la récolte. Je suis accompagné des jeunes frères, tout le monde. Voilà. Donc, je profite pour dire merci. Merci au prophète parce que ça n'a pas été facile si on avait des jeunes, des personnes pour nous aider à Zaroko, nous encourager, nous les jeunes. Vraiment, ça allait nous faire du bien. Mais l'homme de Dieu, l'homme au bon cœur, il a décidé de nous soutenir depuis le début. Donc, je tiens à lui dire merci, grand merci au prophète. Voilà, shalom, que vraiment Dieu soit toujours avec vous. Et que Dieu bénisse toutes les œuvres que vous faites dans le secret, mais on est obligé de dévoiler. Voilà, donc vraiment grand merci. Merci beaucoup. Merci. Shalom à toi. Voilà.
parler un peu de ton travail comme ça. Je suis actuellement en train de récolter, voilà. Parce que je suis vraiment en joie. Parce qu'on n'avait pas cru, on ne s'est pas arrivé au début. Mais depuis le début, le prophète a financé. Quand on a souvent des soucis avec le projet, on l'appelle. Il répond aujourd'hui, c'est la phase. C'est une manière pour nous, une manière pour lui d'encourager les jeunes. Parce qu'il reconnaît que Zaroko est sa base. Voilà, donc il faut entreprendre, il faut commencer un projet avec les jeunes des Zaroko. C'est ainsi qu'il a décidé de financer ce projet. Sans rien nous demander, voilà, on a fait, voilà, celui-ci c'est la récolte. Donc je tiens à vous dire merci. Voilà, je suis en train de travailler en tant que président de la jeunesse. Je suis en train de travailler, comme vous le voyez en vidéo. Donc merci beaucoup au prophète. Shalom, shalom. Voilà, donc merci. Je dis merci à mes frères qui sont venus m'encourager, qui sont venus m'aider. Voilà, comme vous pouvez voir en image, ils sont tous là. Voilà, c'est les jeunes des aéroports et tout. Voilà, donc merci beaucoup. Merci et puis... Ah, eh, voilà, il n'a pas de santé, il salue les gars seulement. Voilà, parmi nous, il y a des femmes. Voilà. Il y a des femmes parmi nous, c'est elles qui nous font souvent manger. Voilà, elle c'est Martine. Voilà, il y a Martine avec nous dans le projet. Voilà. Aujourd'hui, c'est la fin de la récolte, donc tout le monde est content. C'est comme ça. Voilà, on va rejoindre les autres qui sont encore de l'autre côté. Voilà, c'est le projet. Nous sommes avec nos grands frères. Voilà, qui s'appelle Prince, que vous connaissez certainement. Il y a Pacom, il y a Edouard qui est venu nous donner un coup de main. Lui, ah bon? Prince. Voilà, il y a Prince. Ouais, il est Pacom. Dis-lui que c'est le producteur. Yeah. En tout cas, qui a cédé la place au travail en train de se faire en ce moment. Le travail en train de se faire en ce moment. Voilà, donc actuellement, il est en plein boulot, en plein travail. En train de faire la récolte du Jemjem. Dieu merci que vraiment ça a donné. Ouais, ça a donné. Tout à l'heure, on va verser quelques-uns pour qu'on puisse bien voir. Comme vous le voyez, les gens sont en train de travailler. C'est une initiative du prophète Jéhassou. Voilà, voici la sœur. Voilà, cette sœur, depuis le début, elle était avec nous. C'est elle qui nous donnait de quoi manger pendant qu'on défrichait la place. Bon, voilà. Vraiment, que Dieu bénisse sa soeur, Dieu bénisse aussi la autre soeur, la maman. Vraiment, donc, voici ce que le prophète fait. Voilà. Voici ce projet qu'il a lancé pour la jeunesse des Zaroko. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça a porté. Et c'est l'étape de la récolte. Voilà. Comme l'a si bien dit le président des jeunes lui-même. Voilà. Lui-même. Voilà, donc, nous rendons gloire à Dieu. Et nous disons merci au Seigneur et que Dieu bénisse son serviteur, le prophète Jacques Rassou, qui n'a jamais abandonné toujours la jeunesse de Zaroko, qui est toujours prêt. Parce que Zaroko, tout est parti de là-bas. Ouais, tout est parti de Zaroko. C'est de Zaroko, il est quitté aujourd'hui et il est en Europe. Donc, d'autres disent que oui, il a quitté Zaroko, il est parti, il ne va plus revenir. Non. Il est allé en mission, c'est une mission, c'est une continuité. Il est venu pour nous œuvre et Dieu lui a mis à cœur de faire un projet avec la jeunesse des Zaroko. Et aujourd'hui, ce projet de Jemjem, ça a donné. C'est l'étape de la récolte. Nous bénissons le Seigneur et je dis sincèrement merci à l'homme de Dieu, à notre papa, à nous tous, l'homme au grand cœur. Que Dieu vraiment bénisse son serviteur pour pour ce combat. Et que Dieu lui donne toujours la victoire sur ses ennemis. Voilà. Il n'a pas fui Zaroko et il ne pourra jamais fui Zaroko. Il est allé en mission. Son employeur lui a envoyé. Voilà, comme lui-même a l'habitude de le dire, c'était un homme de Dieu. Il est venu, Dieu l'a mandaté de venir à Zaroko. Il n'a pas quitté Zaroko, il n'a pas oublié Zaroko. S'il avait oublié Zaroko, il n'allait pas faire un projet avec la jeunesse. Voilà. Il n'a pas oublié Zaroko. C'est parce qu'il ne veut pas oublier Zaroko qu'il a fait le projet. Et aujourd'hui, le projet a donné, par la grâce de Dieu, voici la première récolte. C'est le premier jour, en ce lundi. Voilà, c'est le premier jour. Et que vraiment le Seigneur bénisse son serviteur, le prophète Joël Crasso. Merci aussi au président de la jeunesse des Zaroko pour vraiment sa disponibilité. Il a lutté. Franchement dit, il a lutté. Il a vraiment mis toute son énergie dedans jusqu'à ce que ce projet réussisse. À ce que ce projet vraiment puisse donner. Et Dieu merci, ça a donné la toute première école. Devant là-bas, il y en a encore. Ce n'est pas ici seulement. Ça continue cette grande place que vous voyez. Cette grande place que vous voyez, tout est jeune. La toute première école, donc nous bénissons le Seigneur
Voilà, que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Voilà, voici le travail. Voici le travail, c'est la récolte du Jem-Jem. Voilà. 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 Waouh. Waouh. Voilà, Kwame Yao Prince, sois béni. Il est en train de travailler. Vous voyez comment il lance la daba. Voilà, ça c'est la récolte du Jem-Jem. Ça c'est le projet. C'est le projet du prophète Joël Kassou avec la jeunesse des Aroko. Ok. Ça, c'est encore une maman. Voilà, qui est venue donner encore un coup de main. Pour la récolte du Jem-Jem. Maman, tu vas te présenter. Voilà, la maman Akissi Marcel. Martine. Martine plutôt, voilà, la maman Akissi Martine. Sois bénie, maman, elle est en train de travailler. Vas-y. Pourquoi tu veux dire que tu connais pas ton nom? Ça c'est un jeune frère, un jeune dynamique de Zaroko. Le frère va se présenter. Dis ton nom s'il te plaît. Et puis tu peux regarder la caméra pour que le prophète te connaisse. Là c'est important. Il a fait des caméras, oui. Moi, c'est Akepe Awa Thomas. Voilà, c'est le frère Akepe Awa Thomas. Le dieu des dieux. Ah, on dit c'est le dieu des dieux. C'est un jeune curateur courageux. Voilà. Ici ou pas? Voici même encore un autre frère qui est encore au boulot en train de travailler. Ici, nous, on travaille. On ne dort pas, on travaille. C'est ma chère qui nous fait nourrir ici. Donc le jeune frère encore, il va se présenter. Eli Diapakom. Oui, ça c'est le frère Eli Diapakom, qui fait partie de la jeunesse de Zaroko. Voilà. Vous voyez comment il lance la machette. Voilà, il est en train de faire la récolte du Jem-Jem. Et voici même le président lui-même. En chair et en or. Effectivement, je suis prêt à présenter. Ouais, non. Je suis le président de la jeunesse. Voilà, c'est une manière d'encourager les jeunes. En tout cas. Voilà. Étant président, j'ai décidé de participer moi-même, mettre ma main, et dire aux jeunes, et dire à tout le monde qu'on peut travailler. De la manière le prophète a encouragé la jeunesse à commencer ce projet, aujourd'hui, on a cru, parce que c'est un homme de parole. Il a dit et il a fait. Aujourd'hui, c'est la phase de la récolte. Donc aujourd'hui, on a très de travailler. Le Jem-Jem, on a fini. Donc je tiens à lui dire merci. Et je profite pour dire à nos parents qui sont en Europe, un peu partout, que la jeunesse des Arcos a besoin d'eux pour pouvoir travailler. On est jeune, on peut... Certes, on a laissé les études, nous sommes au village, on peut travailler. Et c'est ce message que le prophète a compris. Et il a voulu nous accompagner dans ce projet. Donc, je profite, je lance toujours un appel à nos parents qui sont en Europe, un peu partout, de nous aider. Franchement, la jeunesse des Aroko, on veut travailler, on a besoin de vos soutiens. Faites comme le prophète, pas pour vous comparer,
Mais il a compris le message, il a commencé. Voilà. Donc, je souhaite que vous l'accompagniez dans ce qu'il veut faire et ce qu'il a commencé à faire, pardon, et continue de faire. C'est un message fort. Shalom à toi, papa. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà. On a commencé. Je suis un état. Voilà. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Aujourd'hui est lundi. On a laissé les activités, tout ce qui est amusement au village, pour venir travailler, pour montrer à tout le monde que la jeunesse de Zaroko est vraiment unie. Et on est prêt à travailler jusqu'au bout. Et je profite pour dire merci, merci, merci au prophète, parce qu'il a compris nos messages. Aujourd'hui, il n'y a pas pu. Depuis l'année dernière, on avait commencé ici, on a fait des vidéos ici, c'était en vue, ils n'ont pas cru. Aujourd'hui, nous voyons des sacs. Voilà, des sacs de Jérusalem. Voilà, c'est la fin de la récolte. Ce n'est que le début, le premier jour. Et nous allons continuer jusqu'à la fin. Voilà, très bientôt, on va faire encore des vidéos pour montrer que ce que le prophète dit, ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Voilà, on n'a pas été payé. Comme vous voyez, les jeunes ici, ils sont tous ici. On n'a pas été payé pour faire une vidéo au nom du prophète, mais c'est ce qu'il a fait. Il faut reconnaître les bienfaits. Voilà, donc merci beaucoup, prophète. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, la jeunesse des Zaroko est toujours avec vous. Malgré la distance, on est toujours ensemble. Voilà, voici la parcelle. C'est sur cette place que le projet a été élaboré, sur toute cette place, cette étendue que vous voyez. C'est sur 1 hectare. Et c'est le premier jour de la récolte. Ce projet a été financé par le prophète Joël Krassou pour aider la jeunesse du village de Zaroko. Donc voici la parcelle. Tout ce que vous voyez, il y a du gemme dedans. Voilà, toute cette place-là, tout ce terrain, il y a du gemme dedans. Je vais aller vers un jeune encore très dynamique, un jeune très simple, de Zaroko. Je me nomme Kofi Komina Edouard. Il s'appelle Kofi Komina Edouard. Il fait partie du service d'ordre de MCA de Zaroko. Vraiment, je remercie le prophète Joël Krassou parce que c'est grâce à lui que nous avons vraiment vu la journée. C'est grâce à lui que nous avons vu vraiment la lumière du monde. Vraiment, ça me réjouit au cœur. Vraiment, je remercie. Je ne sais pas combien de fois je le remercie. En tout cas, Dieu sait qu'il va augmenter sa force jusqu'à l'éternité. Ah, allons t'apprendre d'abord. C'est les jeunes dynamiques de Zaroko. Ouais, ça a été un projet, comme je le disais tantôt. C'est un projet. Mais pour le réaliser, ça n'a pas été facile. Moi-même qui vous parle, j'ai travaillé ici. Plus machette. J'ai porté bottes. Puis on est venu, on a marché un matin avec le président des jeunes. Et nous sommes venus nettoyer cette place-là. Ouais. C'est le jeune qui vient de se présenter, qui vient de travailler. Il est en plein boulot. Voilà. C'est la pluie, vraiment.
c'est un peu bon. Tout ce qu'on voit, on voit que. Même si on voit un. C'est un peu bon. Donc, voici le boulot. Voici le travail qui a été fait. Par la grâce de Dieu. Ça a donné. Mais on ne pensait pas parce que ça a été un travail énorme. Voilà. Et ce projet a été financé par le prophète Joël Crasso pour la jeunesse de Zaroko. Nous bénissons le Seigneur. Voilà. Ça, c'est une jeunesse très dynamique, une jeunesse soudée, une jeunesse qui écoute toujours son président, qui n'a jamais abandonné son président. C'est ça, on dit, une jeunesse. Et l'homme de Dieu n'a pas baissé les bras. Il a été sur le mandat de Dieu en venant ici. Et il a énuméré ce projet. Et ce projet, c'est lui-même qui l'a financé et aujourd'hui, c'est réalisé. Voilà. Voici l'homme, le président dynamique du village des Zaroko. Je ne cesserai jamais de le présenter parce qu'il a joué un grand rôle. Il s'est battu. Je vais vous parler du projet. Comment ça a commencé? Il y a un jour, le prophète était à Zaroko. Il était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Parler de la parole de Dieu et Dieu l'a inspiré. Il a demandé à parler au président et les gens m'ont appelé. Il m'a dit, président, qu'est-ce que je peux faire pour la jeunesse? Parce que j'ai envie de travailler avec la jeunesse des Zaroko. Je lui ai dit, papa, nous sommes vraiment disponibles pour n'importe quel projet que vous pouvez financer. Et il m'a dit, cherche un projet que tu sens bon pour la jeunesse et je vais financer ce projet. Dans le début, je ne croyais pas. Je suis allé sur les nets faire des recherches et j'ai croisé une structure qui était dans ce projet. Et je suis allé, il a même payé mon transfert. Je suis allé à Abidjan pour échanger avec les responsables de la structure. On a échangé, ils m'ont parlé du bienfait de ce projet. Quand je suis arrivé, j'ai rendu compte au prophète. Il m'a dit, tout dépend de vous. Si vous êtes disponible, moi je finance ce projet. Il a dit, ok, je vais réduire les jeunes et nous allons pour faire le retour. Quand je suis arrivé à Zaroko, j'ai continué de revenir, j'ai parlé du projet. Effectivement, les jeunes acceptaient le projet. Mais c'était, dans le début, c'était difficile parce que les gens ne croyaient pas. C'est vrai, on voyait la prière, on ne pensait pas que le prophète, au dehors de la prière, pouvait aider les jeunes d'une autre manière. Et quand je suis allé chez lui, j'ai donné les fonds, je suis allé à Abidjan, j'ai donné ses fonds, nous ont donné la semence, nous sommes venus ici. C'est lui qui a payé tout. Tout le terrain a été nettoyé. La jeunesse et tout, on a tout fait. Quand nous sommes venus ici, on a commencé à prier, on a commencé à s'aimer. Au début, les gens disaient que c'est le projet de l'église du prophète. Mais je dis non. Je vous dis non, ce n'est pas le projet de l'église du prophète. C'est le projet que le prophète a fait pour la jeunesse des Zaroko. Voilà, je précise bien parce qu'il y a tellement de commentaires autour, donc il faut préciser les choses. C'est le projet de la jeunesse des Zaroko que le prophète a financé pour aider les jeunes. Voilà, je suis à la tête de ce projet, évidemment, parce que je suis le président. Je dois venir pour superviser et puis encourager nos jeunes frères qui travaillent pour leur montrer que, étant président, il faudrait que je donne un coup de main pour les encourager. Donc, je suis tout le temps là. Et on fait des vidéos ici pour montrer le projet. Certains ont commenté hautement, ils ne croyaient pas, mais aujourd'hui, nous sommes sur la fin de la récolte. Moi, je ne fais que dire merci depuis le début. Voilà, je ne fais que dire merci au prophète pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà, merci. Et je lui demande de toujours nous encourager. Voilà, parce qu'il a dit dans sa parole lui-même qu'il ne va jamais abandonner Zaroko. Et s'il n'abandonne pas Zaroko, il ne va pas abandonner la jeunesse. Donc la jeunesse de Zaroko est toujours prête pour le prophète et on est toujours ensemble. Voilà. Malgré qu'il est à des millions de kilomètres, les Zaroko mais pense toujours à la jeunesse. C'est pourquoi tout le temps, lui et moi, nous sommes en contact pour voir comment les choses vont ici, qu'est-ce qu'il peut faire pour la jeunesse. Même étant de l'autre côté, il a des projets pour les jeunes.
Voilà, je précise, pendant les vacances 2017, c'est lui qui a organisé les activités. Il a été le parrain des activités culturelles de la jeunesse des Arocos. Tout ça pour montrer qu'il est avec la jeunesse, il soutient toujours la jeunesse. Voilà, donc vraiment, je lui dis merci, grand merci. Shalom à toi, pour toi, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Et nous souhaitons, voilà, que vous continuez dans ce sens, voilà, toujours continuer parce que la jeunesse est prête pour vous. Donc, je pense que c'est la jeunesse qui fait le village, c'est la jeunesse qui fait la force du village. Donc, la jeunesse est avec vous, la chefferie avec vous, les femmes également. Donc, on vous dit merci. Merci pour le plaisir. Voici ce qui a été reporté en cette journée pour dire que nous étions sur l'école de gestion du prophète Joël Kasso. Il a monté un projet avec la jeunesse de Zaroko et c'est aujourd'hui la première récolte a été faite et voici ce qui a été récolté en cette journée ce lundi 3 décembre 2018. Nous sommes sur le terrain et nous sommes sur le point de départ de retourner encore au village. D'ici le mercredi, si Dieu voulant, nous allons encore revenir encore sur ce lieu. Cette fois-ci, on va aussi informer voilà, l'église de Zaroko pour qu'ils viennent donner un coup de main au président Dago Marcel et ses jeunes frères et sœurs. Vraiment, je dis sincèrement merci au président Dago Marcel de Zaroko pour son courage, lui et sa jeunesse. Vraiment, et aussi merci au prophète Joël Kasso. Voici ce que l'homme de Dieu a fait à Zaroko. Il n'a pas seulement que prêché la parole de Dieu, mais il a aussi contribué au développement du village de Zaroko. Eux-mêmes, ils sont là pour le témoigner. Voilà, c'était juste pour dire que oui, cette journée, voici ce qui a été récolté. Avance toi, tu vas très loin. Ce qui a été récolté en cette journée aujourd'hui, voilà, que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu bénisse Zaroko. Je vais aussi donner encore un mot, je vais arracher un mot au président de la jeunesse qui a aussi le dernier mot à dire. Shalom à vous. Je suis Dago Marcel, le président de la jeunesse de Zaroko. Je tiens à dire merci parce que depuis ce matin, on a fouillé la terre. Voici un peu la récolte que nous avons eue. Nous remercions le prophète, nous remercions d'abord Dieu parce que c'est Dieu qui a inspiré le prophète. Nous lui disons merci pour le projet, pour la confiance qu'il a placée à cette jeunesse des Zaroko. Nous disons merci, merci que Dieu permet que tout ce qu'il fait dans sa vie, que ça marche. Voilà, parce que aider une jeunesse, aider la jeunesse, c'est aussi participer au développement. Voilà, donc il a participé au développement du village de Zaroko. Donc je tiens à lui dire merci. Je profite pour dire merci à mes frères et sœurs qui ont laissé tout pour se mettre dans ce projet. Parce qu'ils ont cru. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien réalisé. Ce n'est que le début. Aujourd'hui est lundi. C'est la première récolte. Sur un état, nous n'avons même pas eu à faire 25 mètres carrés. Voilà. Donc nous allons continuer jusqu'à la fin. Donc je tiens à dire merci au prophète pour le projet qui a commencé avec nous. Nous lui disons de toujours placer sa confiance à la jeunesse. Nous lui disons de toujours placer sa confiance à cette jeunesse parce que nous sommes avec lui et nous serons toujours avec lui parce que en plus de la prière, il a initié des projets. Et très bientôt, il a parlé du projet du FEM, voilà, qui doit commencer. Nous allons très bientôt attendre ce projet. Donc nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait. Merci, nous rendons gloire à Dieu parce que nous avons s'aimé par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus pour récolter. Merci à tout le monde, shalom, shalom. Ok, vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur. Il y a encore d'autres projets qui sont en cours par la grâce de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, d'ici peut-être mercredi, si Dieu voulant, nous allons encore revenir sur ce terrain et continuer encore ce travail. Vraiment, merci au prophète Joël Kasso, merci à la jeunesse de Zaroko, qui a aussi eu confiance en lui, oui, parce que c'est une confiance. Le prophète Joël Kasso est un homme de parole. Voilà, c'est un homme de parole et que Dieu vraiment le bénisse sincèrement pour tout ce qu'il a fait. Nous repartons maintenant au village et que Dieu bénisse. Bonne journée, bonne fin de soirée à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.